téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, bonjour, nous sommes avec vous en direct depuis Port-au-Prince, côté président de la République, là, dans le moment où nous parlons là, à faire rentrer lui dans l'école nationale, c'est Lili Lavoie, qui logeait en même temps l'école République du Brésil. Président République, là, son excellent Jovenel Moïse, mais avec une première dame République, là, Madame Martine Moïse. Yo présent justement dans l'espace là pour faire rentrer officiel année scolaire 2018-2019 là. Voilà, président de la République là, rentré dans le moment de parler là dans l'espace là. Et joint accueil, ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là. Monsieur Pierre-Joubert Agenor, avec directrice de l'école nationale Célie de Lavoie, Madame Henriette Moïse. C'est la cérémonie officielle là qui va commencer dans le moment de parler là. Le président de la République a fait quelques salutations. Déjà, Télévision nationale d'Haïti a souhaité tous les élèves et parents autour, pourquoi pas, bonne année académique 2018-2019. Dans le cadre de lancement officiel année scolaire 2018-2019, là, justement, le président de la République, là, la première dame de la République, là, bien pour faire une visite dans l'école, ça, d'après ça qui peut voir dans l'agenda. Et procéder à la distribution de matériel scolaire, distribution kit scolaire, distribution uniforme. C'est tout un pays d'activité qui va bien réaliser dans l'espace-là. Et Télévision nationale d'Haïti avec vous en direct pour faire une cérémonie. Année académique, lancement année académique, déroulé sous thème l'école, c'est la vie. Marche de San Francisco. Encore, chers élèves, encore, mesdames et messieurs, de chauds applaudissements pour la délégation présidentielle qui vient d'arriver en l'enceinte pour ce premier jour de classe, ce 3 septembre. Mesdames et messieurs, au nom de la formation professionnelle, et en particulier au nom des écoles nationales Célie Lavoie, République du Brésil, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de lancement de l'année académique 2018-2019. Premier jour de classe de l'année académique 2018-2019, qui en compte 192 jours de classe d'après le calendrier scolaire du ministère, ce 3 septembre représente un jour de joie, de fête, de grandes retrouvailles entre camarades de classe. Un jour chargé de symbolisme où toute la population est mobilisée pour encadrer nos enfants, les tout-petits. Pour ces derniers, c'est un jour difficile. Les premières séparations du domicile familial, de ce cocon affectif tant aimé qu'on ne voudrait jamais se séparer. Mais ces premières pleurs de cette douloureuse séparation vont sans doute se transformer d'ici quelques jours en pleurs de joie. La passion de retrouver les camarades pour partager les premières histoires. Le premier jour est définitivement un moment spécial dans la vie de la collectivité et pour toutes les familles. C'est un gros jour qui marque tout le monde, élèves, parents, professeurs, directeurs à l'école, toute population. La cérémonie de ce matin, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, se veut une halte symbolique pour marquer ce moment fort de ce qu'il y a de plus essentiel dans l'avenir du pays, l'école. En effet, ces enfants que nous regardons ce matin sont appelés à prendre la relève de demain, les destinées de cette nation. C'est pourquoi il y a toujours ce vieil adage, il revient, tant vaut l'école, tant vaut la nation. La cérémonie donc, ce matin, revêt en plus un caractère particulier avec la présence des plus hautes autorités de l'État. En cela, déjà, nous disons merci, un merci spécial au président de la République, à la Première Dame, qui ont bien voulu prendre le temps pour nous accompagner de ce matin, en dépit d'un agenda très bousculé, on le sait, au niveau de la présidence. C'est sans doute, encore une fois, le signe de son intérêt pour l'éducation.
Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour la cérémonie de lancement de l'année scolaire 2018-2019. Je vous signale en passant que des cérémonies similaires sont organisées dans toutes les directions départementales en ce moment. Alors, pour démarrer, nous invitons les deux directrices d'école qui nous accueillent ce matin dans leur établissement. D'abord, la directrice de l'école nationale, c'est Lily Lavoie. Madame Henriette Moisset-Duclerc pour les premiers propos. Juste avant, et là c'est important parce que le ministère insiste là-dessus. C'est vrai qu'on a déjà vers 8 heures lancé les couleurs nationales, mais il faut prendre le temps pour rappeler l'importance de l'hymne national, de l'importance évidemment de cette place dans ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. J'invite un groupe d'élèves, évidemment les grands gagnants, on le sait, de nos deux concours de musique, qui vont interpréter pour nous l'hymne national. Je demanderai à l'assistante de se mettre debout au moment où ses élèves, des siens, vont entonner pour nous l'hymne national. À ses élèves du lycée Marie-Jeanne, du lycée Anténor Firmin et de l'école du Brésil. Merci encore. Un chaud applaudissement, encore une fois, mesdames et messieurs. Et là, nous laissons la parole à la directrice de l'école nationale, Céline Lillavoie. On peut s'asseoir maintenant. Merci beaucoup. Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Son Excellence
Madame Martine Moïse, présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le directeur général du dit ministère, messieurs les directeurs départementaux, mesdames, messieurs les inspecteurs, chers invités, dans tout pays du monde, l'éducation est l'une des meilleures aunes avec laquelle on peut mesurer le système de valeurs d'une nation qui s'engage dans la voie du changement durable et plurisectoriel. Sachant que les protagonistes du ministère de l'Éducation nationale de notre pays ont déjà monté à bord de ce paquebot, nous, les membres de l'École nationale Céline Lavoie, avons l'insigne honneur de vous accueillir en ce lundi 3 septembre 2018 dans l'enceinte de cette institution dans le cadre du processus d'ouverture de l'année académique 2018-2019. Monsieur le ministre, les défis qui vous attendent dans ce système sont de taille. Mais avec une discipline austère, une détermination inlassable, un esprit d'équipe, une volonté farouche de combattre la corruption, une vision d'excellence, vous pourrez graduellement les relever et susciter l'admiration même des observateurs pessimistes. François-Marie Aoued dit, Voltaire eut à dire que le but de la vie humaine est l'action. En ce sens, la nation dans toutes ses composantes vous attend sur le chantier en train de poser des actions citoyennes, faisant promotion pour une éducation de qualité et sans discrimination aucune, afin qu'Haïti puisse redorer son blason tant sur le plan interne qu'externe. Sur ces mots, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous et espérons que ce moment restera gravé dans notre mémoire comme une écriture d'or gravée dans du bronze impérissable. Nous remercions Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, son épouse, le ministre de l'Éducation nationale et son staff d'avoir choisi l'École nationale Céline Lavoie pour le lancement de la rentrée scolaire. Président Jovenel, nous disons merci matin de ce que vous avez choisi l'École nationale Céline Lavoie pour le lancement scolaire. Là. Nous connaissons en pile problème et difficulté que tu as gagné pour que le lancement soit fait là, mais on t'a déterminé ou dit c'est là où on voulait l'organiser. Nous comptons en pile. Madame Martine, nous comptons de ce qu'on passe visiter nous. Nous t'avons rêvé ça assez longtemps. Nous t'avons demandé ça. Mais matin, nous voulons dire la présidence là avec staff li, merci de ce qu'elle pensait à l'École nationale Céline Lavoie, vieille de 1880, qui a formé des générations. Et matin, nous avons honneur pour Kembela. Nous connaissons combat, il n'est pas facile comme nous te dit. Mais un seul bagage avec bon Dieu ou à privé. Merci. Nous remercions la directrice de l'École nationale, Céline Lavoie, pour ses propos bien dit. Nous rappelons qu'elle a bien précisé sa date de 1880, qui a formé plusieurs générations, mais comme vous voyez, c'est un bâtiment fraîchement construit qui a été détruit lors du séisme du 12 janvier 2010. Mais évidemment, dans le cadre des interventions de l'État, on a pu réhabiliter cette bâtisse. Et maintenant, nous avons le plaisir, parce qu'ici, nous avons aussi une autre école nationale, enfin, un troisième cycle de l'école fondamentale. Nous voulons parler de l'École nationale de République du Brésil. Et à l'instant, nous invitons sa directrice aussi, qui a un mot à placer en la circonstance. Nous parlons de Madame Philémon Myrlène Lamontagne. Madame la directrice. Au président de la République d'Haïti,
Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse. À la Première Dame, Madame Martine Moïse. Au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Pierre Josué Agénor Cadet. Monsieur le directeur général, aux différents départementaux, aux inspecteurs, aux professeurs de l'École nationale République du Brésil, aux élèves et aux parents. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce matin, nous sommes honorés et comblés de votre présence au sein de l'École nationale République du Brésil. Aujourd'hui, cette date marquera un événement inoubliable dans les annales de l'école, puisque votre gouvernement a fait choix de cette institution pour le lancement de la nouvelle année scolaire et de l'année académique 2018-2019. Nous en sommes fiers. Nous apprécions et encourageons, Monsieur le Président, les efforts honorables, louables et sacrifices consentis de votre gouvernement pour rehausser l'image du système éducatif haïtien. Nous savons très bien que la tâche n'est pas du tout facile, mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez faire des miracles, et particulièrement votre collaborateur, le ministre Monsieur Agénor Cadet, a été pour nous, dans les dernières heures, une aide précieuse pour de nouvelles nominations qui ont été effectuées. Nos professeurs sont là et ils sont fiers de vous, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons aussi à remercier les départementaux qui se sont sacrifiés pour permettre à ce que l'année académique 2017-2018 n'a pas été pour nous le fiasco, parce que n'était-ce pas leur présence pour encourager les professeurs à travailler sans là, ça aurait été ce matin, on ne peut plus imaginer combien catastrophique. Mais vous nous avez soutenus et nous vous en remercions. Nous tenons aussi à vous informer que cette année, l'École nationale République du Brésil a enregistré un pourcentage de 98% aux examens d'État de la 9e année fondamentale. L'École nationale République du Brésil demeurera l'un des phares de l'intelligentsia du 3e cycle et pour le pays. Nous vous remercions également, une fois de plus, Monsieur le ministre, pour le nouveau bâtiment où la République du Brésil aussi est logée. Parce que nous avons un problème ici. On n'a pas encore notre local, mais vous êtes débattus pour rien pour nous permettre au moins à trouver cet espace pour loger les filles de cette école. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et merci, Monsieur le Président. Nous ne voudrions pas être trop longs, car je sais que votre emploi du temps est surchargé. Mais nous vous souhaitons bon et bonne gouvernance, Monsieur le Président. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence vous remplisse pour conduire ce pays à bon port. Que Dieu vous bénisse et bénisse Haïti. Merci. Deux directrices, je vous demande évidemment de les saluer pour leur travail évidemment qu'elles effectuent. À travers les résultats, on peut voir évidemment l'effort qui est fait. Applaudissez ces deux directrices pour la qualité de leur travail. Mais aussi, elles ont voulu prendre le temps avec les élèves pour saluer Son Excellence Monsieur le Président et Madame la Première Dame. Et à l'instant, j'invite deux groupes d'élèves, Rebecca Laurent et Widley Aristide, et Wamaniola, Stanis et Widlin Jean-Baptiste, deux groupes d'élèves. D'abord les deux premières de l'École nationale Céline Lavoie. La directrice voudra bien accompagner ces deux élèves parce que. Voilà. Les deux premières élèves vont s'approcher, les deux premiers pour
remettre, évidemment. Alors, le deuxième groupe d'élèves, on demande de s'approcher. Le deuxième groupe, parce que chacun a un mot à dire. D'abord, la première dame, la remise de ce bouquet. Monsieur le Président, je vais vous rapprocher pour la remise de ce bouquet au Président de la République. Merci. En signe de reconnaissance des efforts de l'État, en particulier du Président de la République, voilà, le bouquet remis respectivement à la Première Dame et au Président de la République. Merci beaucoup, chers élèves. On vous demande de regagner maintenant votre siège. Merci. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs, du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, chers directeurs, chères directrices de l'École nationale Célie Lavoie, Mesdames, Messieurs, nous les élèves de l'École nationale Célie Lavoie, nous nous estimons très heureuses et même honorées de pouvoir accueillir en notre sein le premier personnage de la nation, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Madame Martine Moïse, ainsi que les illustres représentants du ministre de l'Éducation nationale, qui ne se lasse jamais de travailler à la promotion d'une société de qualité. Vu que la reconnaissance est la vertu des grandes âmes, nous tenons à remercier du plus profond de notre cœur ces dignes représentants de l'État pour des dons significatifs faits à nous à l'occasion de la l'ouverture de l'année académique 2018-2019. Nous voulons mentionner comme don la cantine scolaire, des kits contenant des instruments didactiques tels que plumes, crayons, cahiers, gommes et des ouvrages. Nous restons convaincus que ces mesures d'accompagnement nous permettront de mieux affronter cette année académique. En signe de reconnaissance et d'expression de notre gratitude, nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de recevoir cette gerbe de fleurs de nos petites mains. Merci. Merci à Rebecca Laurent. Au nom des autres, elle a parlé. Merci beaucoup pour ce témoignage de reconnaissance envers le Président de la République, évidemment au niveau de l'État, qui se mobilise pour accompagner les jeunes à l'occasion de cette rentrée. Mesdames et Messieurs, nous voulons signaler aussi que la population nous accompagne en ce moment à travers les ondes de la TNH, qui est en direct en ce moment, pour retransmettre cette cérémonie à l'École nationale Célie Lavoie et République du Brésil. À présent, M. Pierre, Josué Pierre Genor Cadet. Dans un contexte difficile, il œuvre depuis 17 mois pour le renforcement du secteur de l'éducation. Après les examens d'État, il aborde maintenant un nouveau défi, la rentrée scolaire. Mais il se veut confiant avec l'aide de tous les acteurs, dit-il toujours, car l'éducation est l'affaire de tous. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Soulignons que le thème retenu pour cette année scolaire, une école inclusive pour une nation solidaire. Monsieur le ministre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, estimable collègue ministre de l'Intérieur et de l'Environnement, Monsieur le Président de la Commission d'Éducation à la Chambre basse, Monsieur le Conseiller du Président en matière d'éducation,
Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la représentante de l'UNICEF en Haïti, Monsieur le directeur départemental de l'Ouest, Madame la coordonnatrice du PNCS, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames, Messieurs les membres de mon cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux et techniques, Mesdames, Messieurs les enseignants, les enseignantes, particulièrement enseignants et enseignantes de ces deux écoles. Mais je devrais d'abord citer les deux honorables directrices de l'École nationale, Célie Lavoie et République du Brésil. Chers parents, chers élèves, agents éducatifs, honorables représentants de la direction générale, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les représentants de la police, mesdames et messieurs, bonjour. Je me réjouis ce matin de participer à la cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2018-2019. Ce 3 septembre 2018 marque en effet le premier jour de l'année scolaire qui représente un grand moment de mobilisation pour les familles et la société. Est-ce pourquoi, de manière solennelle, le ministère organise cette cérémonie qui se tient également dans toutes les directions départementales d'éducation avec les principaux acteurs et partenaires du secteur éducatif. Ma satisfaction est d'autant plus grande que j'ai l'insigne honneur de recevoir le plus haut dignitaire de la nation, Son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, et la Première Dame, Mme Martine Moïse, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ce matin. Cette action témoigne, une fois de plus, de l'intérêt manifeste du chef de l'État au secteur éducatif. Son appui constant et ferme a permis de répondre aux nombreux problèmes auxquels fait face le secteur, notamment la nomination des enseignants en situation irrégulière depuis plusieurs années dans les salles de classe, le paiement des salaires des enseignants, les arriérés de salaire et la poursuite de certaines réformes pour améliorer la gouvernance et la qualité de l'éducation. Sa disponibilité, son engagement et son accompagnement nous permettront d'aborder de nouveaux chantiers déterminants pour le renouveau de l'école haïtienne. Monsieur le Président, au nom de toute la nation et particulièrement au nom de tous les élèves, de toutes les enseignantes, de tous les enseignants, de tous les chefs d'établissement public et au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et en mon nom personnel, je vous remercie à nouveau pour votre support déterminant à la cause de l'éducation et pour l'avancement du secteur. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au sein des écoles nationales Célie Lilavoie et République du Brésil, dans un bâtiment fraîchement reconstruit en vue d'accueillir les élèves dans un meilleur cadre facilitant l'enseignement-apprentissage. La construction de ce nouvel édifice s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'État en vue de la réhabilitation du parc scolaire grandement affecté après le séisme du 12 janvier 2010, avec l'appui de plusieurs partenaires, bien sûr. Il s'agit là d'un effort constant, soutenu de l'État, qui entend offrir un meilleur environnement de travail à nos élèves. Plusieurs nouveaux chantiers d'importance seront lancés ou sont déjà lancés au cours de cette année. Notamment, bien sûr, les chantiers sont lancés à travers tout le pays, à travers les 10 départements du pays, mais étant donné que nous sommes dans le département de l'Ouest, je veux seulement citer
lycée Marie-Jeanne, lycée du 150e, faculté des sciences humaines, lycée Daniel Fignolet, lycée Jean-Jacques Dessalines et lycée Georges et Antoine Isméry. Sans compter le marché déjà lancé pour la construction de 30 nouvelles écoles nationales avec les fonds du trésor public. Sans compter 10 écoles fondamentales nationales dans le centre et 2 dans l'Artibonite et d'autres écoles déjà en construction à travers le pays. À noter aussi qu'en peu de temps, le gouvernement a déjà réhabilité environ 500 écoles parmi près de 3000 en mauvais état. Et aujourd'hui, l'État dit clairement qu'il prend son engagement pour résoudre les problèmes récurrents de l'éducation. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de pouvoir m'adresser aujourd'hui à l'ensemble de la communauté éducative à l'occasion du lancement officiel de cette nouvelle année placée sous le thème « Une école inclusive pour une nation solidaire ». En effet, l'inclusion sera au centre de nos préoccupations et de nos actions cette année. Nous voulons voir tous les enfants haïtiens bénéficier d'un seul et même enseignement, vaincre les inégalités de naissance ou d'origine et offrir à tous la possibilité d'accéder à une même éducation scientifique, historique, morale. Briser aussi la barrière de langue et créer les places assises indispensables pour tous les enfants qui sont encore en dehors du système. Et j'ose préciser pour vous toutes et pour vous tous, en 2008, dans le journal Le Nouvelliste, on faisait état de plus de 500 000 élèves en âge scolaire qui étaient en dehors des salles de classe. Et aujourd'hui, eh bien, le constat est fait, nous avons seulement 320 000 enfants en dehors des salles de classe et nous travaillons sérieusement pour que tous les enfants se trouvent en salle de classe, non pas dans les rues, non pas dans les maisons. Oui, il est venu le temps de réussir ce pari d'accès universel à l'école pour tous nos enfants. Une école inclusive pour une nation solidaire signifierait alors qu'il existe une école dans tous les endroits où résident des enfants non encore scolarisés. C'est donc dans cette perspective que cette année, le gouvernement, la présidence, le ministère s'engage à apporter un appui très fort à l'ensemble des écoles en difficulté, encourager la petite enfance, aider les écoles presbytérales au nombre de 1346 dans le pays, aider les écoles protestantes qui reçoivent aussi des enfants en difficulté. Et ces écoles sont environ 9000 et nous avons eh bien, 779 000 enfants au niveau préscolaire. Et je tiens à dire aujourd'hui un grand merci public à la Première Dame pour son engagement à la cause des petits-enfants. À plusieurs reprises, dans ses discussions avec moi, elle insiste pour que l'on arrive même à augmenter le nombre d'années de préscolaire, car tout se joue avant 6 ans. Elle m'a dit, dans une ambiance de dialogue, on a 9 plus 2, monsieur le ministre, mais il serait bon d'envisager 9 plus 3, car c'est au cours de cet âge que les enfants ont beaucoup plus besoin de notre encadrement. Merci encore, madame la Première Dame. Enfin, une école inclusive pour une nation solidaire verrait défiler des enseignants présents tous les jours dans les salles de classe pour encadrer nos enfants et leur donner l'espoir d'un avenir meilleur. Je comprends, quand nous étions arrivés à la tête du ministère, il y avait environ, selon les données qui étaient disponibles, 1000 enseignants. Et jusqu'à présent, nous entendons dire
qu'il y a des enseignants non encore nommés. Et nous prenons quand même l'engagement immédiatement après cette rentrée. Nous allons former des commissions avec les syndicats, avec des hommes honnêtes et intègres de ce pays pour faire les 10 départements pour voir si vraiment dans les écoles nationales, dans les lycées, il y a encore des enseignants non nommés et nous allons prendre l'engagement de les nommer rapidement s'il reste encore quelques rares qui n'ont pas été nommés. Car tous les dossiers nous ont été apportés par les directeurs départementaux et tous les dossiers que nous avons reçus ont été traités. Maintenant, il est temps de donner la chance à nos enfants. Il est temps de donner la chance aux élèves d'apprendre et de bien apprendre. Nous devons mettre de l'ordre dans le secteur. Et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous allons faire. Et combattre en même temps l'absentéisme et toute forme de corruption qui affecte le bon fonctionnement de l'école haïtienne. Je vous le dis, mesdames et messieurs, selon tous les rapports qui me sont parvenus à travers toute la République haïtienne, il y a beaucoup plus d'enseignants dans les lycées qu'il faut. Et nous allons régler ce problème. C'est parce que justement, pendant trop longtemps, la question de l'éducation était trop politisée. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut mettre de l'ordre dans le système et nous commençons à combattre la corruption et à mettre de l'ordre dans le système. À cet égard, je suis déterminé dans ce combat visant à donner une autre image de l'école haïtienne, de l'administration publique qui se doit d'abord d'être au service de la collectivité. Aujourd'hui, au niveau national, au niveau du gouvernement, nous sommes là pour privilégier les intérêts collectifs sur les intérêts mesquins et individuels. Nous sommes là pour défendre un pays, pour défendre une nation. Pour une école de la République ouverte à tous, particulièrement aux enfants à besoins spéciaux, l'effort sera mis pour en faciliter l'accessibilité, offrir des conditions adéquates d'enseignement et d'apprentissage et ainsi favoriser plus de justice sociale et davantage de solidarité nationale. En ce sens, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle travaille ardemment, offrant des chances égales de réussite dans la vie à tous les enfants haïtiens. Aussi, on appelle-t-il aux acteurs du système à faire preuve de compréhension, de solidarité et du respect des enfants haïtiens dont ils assument collectivement et individuellement une part de responsabilité dans leur formation. Faisons preuve d'éthique, soyons responsables pour la renaissance de l'école haïtienne. Il importe pour cela que la communauté nationale, dans sa diversité, s'approprie l'urgence d'agir en étant consciente des sacrifices à faire pour continuer à construire un système éducatif inclusif, moderne, efficient, capable de placer l'enfant au centre de ses préoccupations et d'adresser in fine la problématique du développement national. L'élaboration du plan décennal d'éducation et de formation 2018-2028 s'inscrit dans cette dynamique de rénovation du système éducatif et de l'école haïtienne. Dans cette perspective, j'invite tous les partenaires à accompagner l'État haïtien, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans cette quête de renouveau du système éducatif haïtien. Dans ce combat engagé, à tous, chers enseignants, le privilège de favoriser le développement intégral des enfants qui vous sont confiés. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire un petit mot à tous les parents, maman et papa petit, qui ne participent pas à faire gros sacrifices pour voyer petit à l'école. Nous disons bravo, mais on choisit chemin ça. On choisit route pour permettre à nous prend responsabilité au demain. Nous choisissons route pour permettre à Simonio choisir l'avenir. Et nous pensons que nous sommes route bon gens développement durable. Et nous disons chapeau bas pour tout maman à tout papa. Seulement, nous demandons tout l'autre monde
contrairement à toute année avant yo, parce que ça a des et des années pour que chaque année c'est même pépé blanc. Je dis à nous qu'on l'État qui dit qu'il prend responsabilité pour répondre à toute exigence système non, et pour porter solution à tout problème récurrent système. Nous-mêmes, nous ne pas faire partie de problèmes, nous faire partie de solutions. Et dans ce sens-là, voyez un mot d'ordre. Et avec un groupe syndicaliste, nous disons nous-mêmes, nous prêts pour nous travailler avec eux, mais seulement pour notre travail dans l'intérêt collectif. Et tout le monde connaît, depuis longtemps, c'est comme ça que nous toujours agi. C'est pays à d'abord, et bien, intérêt mesquin individuel après. Et nous-mêmes, c'est pour payer notre travail. Donc nous demandons à tous les parents, et bien, vous aurez été solidaires avec l'État. Et l'État prend engagement pour résoudre tout problème, pour tout le monde toujours trouver en salle de classe. Place Timounio, ce n'est pas dans la rue qu'elle y est. Place Timounio, c'est dans l'école qu'elle y est. Et nous gardons avec résultat baccalauréat sur le Bayou. Résultat 9e année. Nous gardons par exemple zone Cité Soleil. Dans l'examen 9e année, dit devant toute l'école. Pour qui ça? Non seulement il y a travail, mais dans l'année, pas de bon jour qui te gagne troupe dans Cité Soleil dans l'école. Nous gardons tout côté. Mounio mélange question. Ils ont fait l'école avec politique, ils nous font une. Et bien nous disons tout le monde qui a fait politique. Faire politique, nous, pas l'école la chance pour fonctionner normalement. Donc, si vous avez un problème avec l'État, et nous disons, nous clair devant tout le monde aujourd'hui, l'État prête pour résoudre tout le problème. Yo. Depuis qu'on problème, Vinci avec l'État, problème avec résoudre. C'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti. Pendant 34 ans, moi-même, j'ai été comme enseignant, moi que l'État, nous seul moment, décider toute l'aide ça, yo, by moon. Nous-mêmes, nous rejoignons des directeurs de l'école privée, nous, parce que dossier, c'est le directeur départemental, il y a même quand le directeur départemental, là, il y a un personne qui parle avec sous ça. Dans pile dossier qui était déjà en cours, nous traitons tout, nous-mêmes, arrivons à saisir des lettres, côté lettres qui ont fait pour nous mettre dans le système qui est déjà bâti, lettres qui fait quand même, lettres qui sont rapatriées pour nous nommer l'autre pour nous. Et, au niveau ministère, tout, nous déjà récupéré plus de 150 millions de coûts. Il y a des gens qui vont parler, qui dit, nous disent nous récupérer combien de gens qui sont en prison. Et c'est parce que c'est Jean l'État qui fait là, dans la question de virement sous compte pour nous. Nous mourir, pour nous partir avec des comme ça. Je dis à la, nous y bloquer tout. Et même 4 qui sont en ministère, 4 qui sont en travail, et bien soit retourné, ou bien chèque qui coupé. Donc c'est lutte, ça l'appelle contre la corruption. Et c'est actuellement là, on travaille avec le ministère de la Finance qui est capable de créditer. Tout comme ça au bout nous, pour nous lancer concours, pour nous créer job pour jeunes qui n'ont pas fait, qui n'ont pas fait, qui n'ont pas école mal. Dans pile jeunes qui besoin de travail, et le gouvernement lui-même, qui besoin de ça tout, n'a pas travaillé pour ça. Sans compter, plus passer 2000 personnes qui sont dans le système, non. Et bien, dossier déjà fait, dans pile pension qui est déjà liquidée, tout bagage sera crédité sous votre ministère pour nous capable créer de nouveaux jobs dans le système éducatif. Là. Si je parle avec les parents, il faut me parler avec Timoun Yotou. Timoun, si je dis, nous sommes toutes pile autorité là, nous sommes là, c'est parce que nous sommes à l'école. Moi-même personnellement, et même président tout, à tout premier là, non. Si nous sommes entrés à Port-au-Prince à pied, nous avons pu passer 100 jours pour nous débarquer à Port-au-Prince. Et mais nous là, parce que nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école, pas de frontières pour vous. Là l'école, par une classe sociale pour vous, pour traverser toute barrière avec connaissance. Si mon parent nous fait sacrifice, l'État fait sacrifice, et femme dit nous que l'État jodia respecte à la lettre parole, maman, loi, constitution qui dit si mon sorti première année, privé sixième année, pas de payer dans l'école. Déjà, contrairement à ça, me demande, nous sommes capables de vérifier. La banque déjà recevoir eh bien, l'argent 50% pour 750 000 personnes qui trouvent dans la première année, vivent dans la sixième année. Quant à vous qui dans le lycée, l'instruction déjà passée à tout directeur départemental, à tout concerné, à Nessa, quel que soit le monde qui dans le lycée, il n'y a pas pour payer plus passer 1000 gouttes pour toute année. Et dans 1000 gouttes là, tout le monde là-dedans. Feuille d'examen, dépliant toute la donne. Et nous lançons pinga à tout directeur lycée qui connaît pour ne pas respecter ça nous dit là. Et nous prêts pour nous révoquer tout le monde qui est contraire à Nomio, qui est contraire à ça l'État dit. Et nous disons ça aujourd'hui à tous. Nous-mêmes, dans l'équipe ça, nous prenons engagement
après 5 ans président Jovenel là, pour nous aller, pour l'aller, pour gagner dans le système éducatif haïtien, pour ne pas rien mettre dans la salle de classe par l'élève même. Je vais dire que si nous-mêmes nous battons l'État responsable, nous sommes capables d'agir sur ça. Parce que comme on entend dans la salle de classe, c'est l'État pour nous-mêmes, c'est l'État qui est autorité nominative. Mais je vais regarder ce qu'on fait dans des autres là. Nous venons de talent qui est dans la salle de classe. Je dis, nous traitons tout le cas. Seul quand nous va traiter, c'est moi qui va nous rejoindre des gens qui ont un système d'assaut avec faux papiers. Et dans ce sens, nous dévoyons dans la Chambre des députés, dans le Sénat, le président, le commissaire d'éducation là, qui est capable de témoigner. Tout juge, commissaire, gouverneur recevoir l'aide, qui recevra nos adresses enseignants qui prend l'état d'assaut. Nous avons combattu la corruption à tous les niveaux. Et en même temps, tout, nous avons un pilote qui n'a pas un profil pour nous. C'est des gens qui ne font pas même faire filo, ou bien qui seulement font filo. Soutez seulement faire filo, qui n'ont pas fait nous. Parce que je dis à nous esclaves la loi, notamment décret 17 mai 2005, qui dit comment pour nous intégrer la fonction publique. Mais j'en doulia, si quelqu'un enseignant qui a tandem là, qui est jusqu'à présent, après plus passer 5000 lettres, ou par une lettre dans main, eh bien nous disons, nous allons passer dans toute direction des attentats avec des commissions qui ont bien un peu d'experts, un peu de syndicalistes. Nous allons passer pour voir est-ce que dans l'école de l'État, est-ce que dans le lycée, il y a des gens vraiment qui ont dans yo, qui va lettre dans main et immédiatement nous yo. Mais nous allons mettre l'autre tout, parce que nous avons dit d'aller là, dans toute l'école de l'État ou dans le lycée, puis il faut que nous puissions mettre que de gagner. Mais président, commission éducation, chambre de Bigala, professeur Ketel Jean-Philippe, qui député toujours professeur, récemment la pas la même. Depuis longtemps, ça fait plusieurs années, dans le lycée la Kali Pechina, qui toujours a fait grève, qui a pendé, qui a professeur, victime, et il vérifie, parce que c'est là la traduction. En dans le lycée Pechina chargé, professeur, qui va contre qui ça va même dans le cadre pour nous être plus salle de classe. Tout lycée qui est pour s'ambition, nous parle éparpiller pour nous créer place pour l'autre monde. Mais nous ne pouvons pas mettre aucun monde dans la salle de classe sans ou pas l'être dans le monde. L'éducation étant l'affaire de toutes et de tous, sans vouloir trop vous faire souffrir pour avoir été trop long, parce que je n'ai pas eu le temps d'être plus court, je veux terminer en saisissant l'occasion de souhaiter à toutes et à tous bonne année scolaire. Merci beaucoup. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale pour ses propos. Merci pour son engagement. Je vous demande évidemment à tous les acteurs, tous les élèves d'applaudir chaudement cet engagement. Il nous le faut, cet engagement. Et nous avons bien noté cette école inclusive ou une nation solidaire. Nous devons nous engager dans cette voie, mesdames et messieurs. Ce pari important de réussir l'accès universel à l'école pour tous nos enfants. Mesdames et messieurs, nous avançons évidemment vers la fin de cette cérémonie. À le président de la République et la première dame, évidemment, qui seront accompagnés par les deux directrices d'école, les ministres qui sont là. Nous invitons également la représentante, évidemment, du groupe sectoriel de l'éducation, la représentante de l'UNICEF en Haïti, à nous accompagner dans les deux salles, enfin dans les certaines salles de classe que le président de la République personnellement aura passées pour remettre symboliquement les kits scolaires, les uniformes et aussi participer à la cantine scolaire avec nos enfants. Mesdames et messieurs, c'est un moment, c'est le premier jour, c'est un jour d'engagement. Encore une fois, nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, qui nous accompagne en ce moment solennel d'ouverture de l'année et toute la suite de la délégation. Merci le président, Monsieur le Président de la République, merci Madame la Première Dame. Nous demandons au ministre de l'Éducation d'accompagner, évidemment les autres ministres nous accompagnent également, Madame la Représentante de l'UNICEF, et d'en donner de l'espace restreint des salles de classe, nous ne pouvons éviter tout le monde. Alors, les deux directrices d'école, s'il vous plaît. Elles sont déjà là. Alors, Monsieur le ministre, veuillez accompagner Monsieur le Président, Madame la Première Dame, le ministre aussi est représentant de l'UNICEF, l'UDG, évidemment, pour aller dans les salles de classe. Les autres peuvent rester avec nous, ici, dans le podium, parce que nous n'aurons pas assez d'espace pour accueillir tout le monde. Merci beaucoup pour votre compréhension. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, j'en ai suivi sur petit écran nous.
c'est cérémonie lancement année académique 2018-2019 là. On a participé pour la société côté gain en première partie cérémonie ça qui bout dans moment n'a parlé là, on cérémonie qui va poursuivre. Télévision nationale d'Haïti trouvé le Kounia dans l'école nationale Célie Lavoie qui logeait en même temps l'école nationale République du Brésil. De l'école dans un seul espace, nous descendons dans le premier temps. Attention, deux directrices de l'école de Sayo, dans le mot de remerciement. Et n'a pas profité à annoncer c'est toute l'école qui sont ensemble des écoles nationales hein, qui eh bien s'est mobilisée qui joignent l'autre pour ouvrir l'école là journée lundi 3 septembre 2018 là. J'en sais prévoir dans l'agenda ministère éducation nationale et formation professionnelle. Et bien, je dis à l'école sur l'ensemble du territoire national là, télévision nationale là, si mon parent, yo professeur, tout le monde qui est impliqué dans l'année académique 2018-2019, là, une bonne année académique 2018-2019. Alors, il y a un Kounia, dans le moment où on a parlé là, président de la République, là, qui a fait visite quelques salles de classe dans l'espace côté nous y a. Président de la République, là, qui vient avec lui, première dame, madame Martine Moïse. Il y a plusieurs officiels tout qui ont participé à la cérémonie. Nous sommes capables de citer quelques-uns. Tant que président, commission, éducation, chambre basse, député Ketel, Jean-Philippe, bien ministre intérieur, collectivité territoriale, là, Jean-Marie Renaldo Brunet, ministre environnement, Pierre-Simon Georges, ministre éducation nationale, là, que nous sommes des interventions, Josué Kader, Génor. Alors, pour signaler la présence du ministre de l'Environnement, il est important pour nous de mentionner que c'est année ça. Le président de la République l'a fait toute année qui passait à mentionner que pour gagner un cursus dans sa classe qui impliquait, qui introduit question reboisement dans le programme Timounio pour l'année 2018-2019. Là, eh bien, c'est année ça, la effective décision ça. C'est Anessa qui a lancé le projet pour le reboisement dans l'école. Qui donc, il va dire que nous sommes en matière, même Jean-Claude Mathieu Timounio, il y a bien point et point ça à compter dans l'examen final Timounio. Donc, c'est un point qui est bien expliqué encore plus. Présence du ministre environnement là, dans la cérémonie. Ça. Et nous avons rappelé l'objectif projet ça, projet qui est le reboisement dans l'école. L'objectif là, c'est de mobiliser 4 millions d'élèves qui sont capables de planter 1 million de pieds bois sur l'ensemble du territoire national. Là. Alors, ça, tout, décision pour reboiser, décision pour mettre le programme ça dans l'école. Eh bien, il m'a connu tout avec l'initiative du président de la République Lapin pour mettre le centre germoplasme sur l'ensemble du territoire paysan dans 10 départements géographiques. Côté, il y a centre ça, il y a 4,5 millions de plantules dans yo. Et si nous avons pour chaque responsable, yon plantule, un petit pied bois, que y a pral planté. Et si nous avons pris des notions, non seulement pratiques, mais théoriques sur question reboisement, yon façon de prendre en question reboisement à Nessa en dans l'école. Yo. Donc c'est un matière qui a des notes, même genre avec mathématiques, anglais, espagnol, n'importe quoi, tout le monde est capable de prendre. Le président de la République mettait un peu l'accent sur ça. On a rappelé rapidement, Anessa, rentrer l'école la fête sous thème, il y a l'école inclusive pour une nation solidaire, avec slogan l'école c'est la vie. C'est environ 3 millions de personnes qui inscrivent dans l'agenda éducation nationale pour année ça. 3 millions de personnes qui participent dans l'année académique là, qui vient la donne environ 192 jours de classe. Côté personnes qui ont gagné pour grand cours, normalement, ils ont nécessité pour parents d'amener les personnes à l'école. Dès le premier jour, en façon pour permettre Timounio pas rater le programme, en façon pour permettre que Timounio
suivre pour avoir la même chance à l'autre élève qui est dans la classe qui est même venu en septembre. Le président de la République, dans le moment où on a parlé là, avec l'autre autorité qui accompagne Lio, a visité quelques salles de classe. Ici, là, pour la cérémonie de lancement, année académique là, en fait, dans l'école nationale Célie de la Voix, l'école nationale République du Brésil, qui lui-même vient élève 7e, 8e, 9e année fondamentale, qui le gêne, il se passe là tout. Une décision provisoire qui peut permettre que tout le monde ait chance en attendant que l'école nationale République du Brésil rejoigne l'espace qu'il tenait avant. Ce n'est pas seulement une visite du président de la République à faire, mais le président de la République et la première dame de la République ont profité, participé à la distribution de kits. Je dis à même. A bien distribution d'équipe, distribution manuelle scolaire, distribution uniforme. Pas seulement dans l'école ça a côté année académique l'an lancé, mais dans plusieurs autres écoles nationales sur l'ensemble territoire a bien même processus ça a continué. Mais c'est pas jeudi à distribution qui a commencé, distribution d'équipe sur télévision nationale d'Haïti nous assister et nous suivre quelques reportages sur ça, distribution d'équipe que première dame République l'a fait. Week-end dernier, dans le lycée Pétionville, côté environ 3000 personnes dans le quartier défavorisé, ont eu une chance de recevoir un kit scolaire. Kit scolaire, ça y est, c'est un bag. Et puis, qui vient là, donné plusieurs cahiers, des plumes, des crayons, des gommes, des instruments de géométrie. Et c'est même kit, ça y est, tout le monde a recevoir sur l'ensemble du territoire national. Là. Distribution qui a continué tout jeudi à tout. Donc, il y a un ensemble de dispositions autorités au plan ANESA pour te permettre de rentrer l'école là, tourner en réussite. Bien entendu, il y a une série de parents qui, bien sûr, pas parer même jeudi à. Mais les conseillers que parents ont entendu des programme, nous avons des spots de sensibilisation qui fait pour demander aux parents, même si nous avons l'école, qui encourage les parents, même si nous avons l'école, même si nous pouvons parer à 100%. Les parents ne peuvent jamais parer à 100% de la situation économique, yo, ça dépend de la situation économique des parents. Il y a des parents qui ont valide, qui peuvent avoir un uniforme, il y a des parents qui ont un uniforme, qui peuvent avoir un soulier. Mais quand même, nous avons ouais, autorité de faire une campagne de sensibilisation pour demander de mener Timounio l'école parce que l'école, c'est la vie. Dès le premier jour, l'important pour un Timoun rentrer à l'école, une façon pour ne pas perdre une miette dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prévoit. Avec vous, en direct, depuis Port-au-Prince, l'École nationale Célie de la Voix, l'École nationale République du Brésil, Télévision nationale d'Haïti, à Port-Vive, lancement officiel, année académique 2018-2019, là, qui a déroulé sous thème, l'école inclusive pour une société solidaire, pour une nation solidaire. Et thème ça accompagne à Constitution qui fait l'école, c'est la vie. Pendant toute semaine, là, nous avons des émissions télévisées, nous entendons tout, des émissions radiophoniques. Côté des responsables, prend la parole, autorités policières, parler de toutes dispositions qui prennent, c'est un ensemble de dispositions qui prennent, un travail qui commence depuis le lancement année scolaire 2017-2018. Déjà, intervention du secteur départemental l'Ouest, police nationale, la commissaire Soljou, qui lui-même fait qu'on ait gagné une grosse présence policière qui a remarqué dans une série de zones qui vient l'école. Dans divers points, côté de circulation encore très difficile dans la zone métropolitaine, ceci pour faciliter l'entrée l'école là, pour assurer que tout bagaille très bien, non seulement sur le plan circulation, mais tout sur le plan sécurité pour Timounio. Toute disposition te prend, pour faire prendre.
pour permettre que rentrer l'école là, jeudi, lundi 3 septembre 2018 là, les tournées ont réussi. N'a pas suivi l'agenda journée pour activité ça, c'est la deuxième étape là qui commence avec visite président République là dans la salle classio. Président République là qui a profité de parler avec Timounio, faire échange et puis pour information sur qui Jean Timounio fonctionnait dans l'école là. Président République là probablement après rien pour le visiter. Espace côté cantine scolaire dans tout parce que l'école ça côté nous trouver nous là et majorité l'école nationale il y a des programmes inscrits dans le programme cantine scolaire qui permettent que tout le monde rejoigne un repas chaud à midi. Le président de la République là va venir probablement pour visiter salle côté cantine scolaire là côté tout le monde a bien pour manger jeudi à. C'est un journée bien rempli pour le coupe présidentielle là, qui depuis la semaine dernière déjà impliqué dans un paquet d'activités éducatives. Et là, on a parlé de l'éducation dans sa globalité. Nous sommes capables de parler également de l'inauguration du centre de formation professionnelle et technique RINCH qui fait vendredi qui se passe là. Côté président de la République, là, c'est parler de l'importance de l'éducation et de la volonté de l'administration langue pour faire l'éducation jouer un rôle dans la société. Président de la République, là, Son Excellence Jovenel Moïse, Première Dame République, là, Madame Martine Moïse, accompagnée de l'autre personnalité politique, surtout ministre intérieur collectivité territoriale, là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, ministre environnement, qui vient programme qui a lancé ANESA, qui est très importante dans l'école, Monsieur Pierre-Simon Georges, ministre de l'Éducation nationale, là, Josué Agenor Kader, et président de la commission éducation dans la chambre basse là, député Ketel Jean-Philippe, qui est présent dans la cérémonie ça. Bon, côté diverses personnalités, et dans la cérémonie ça, je dis à plusieurs directeurs d'école, directeurs départementaux dans le ministère de l'Éducation nationale qui est présent. Il y a une délégation qui sortit dans plusieurs écoles nationales qui est présente dans l'espace ça. Il y a une façon pour célébrer de façon spéciale le premier jour l'école là pour l'année 2018-2019 là. Éducation qui gagne, qui joue un gros rôle dans la société et éducation qui c'est une grosse priorité administration président Jovenel Moïse là. Et dans le même secteur éducatif là, éducation depuis là on a l'âge pour prendre éducation jusqu'à ce que vous finissez l'école. Et c'est une toute initiative probablement qui rentre dans diverses décisions du ministère de l'Éducation nationale pour amener ça, pour rentrer l'école là, pour une année académique là. Et bon, par exemple, salle classio pas doué dépasser 66 000 par salle. Une façon pour tout le monde soit capable de suivre pour eux très bien, pour tout le monde soit capable de suivre pour eux sans trop de perturbation. Nous connaissons une salle de classe qui compte 120, 130, 100 personnes. Donc, dans le cadre de toute décision, longue liste de décisions, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prend,
année ça pour année académique plan réussi et eh bien effectif dans salle classe yo il y a en pile importance donc pour y a li fait exigence c'est une obligation pour l'école nationale yo lycée yo l'école presbytérale yo pour yo gagner lycée yo tout pour gagner pas plus que 60 timoun dans salle de classe yo. Président République là à l'autre personnalité qui a participé dans la cérémonie ça a continué visite dans la salle classio. Visite qui vient la donne bien entendu distribution de kits de manuels scolaires d'uniformes. Et avant fin cérémonie ça aujourd'hui, hein, nous aurons lien pour nous suivre, bien entendu, prise de photos officielles là. En fait, il y a une journée bien remplie. Et dans le moment où on a parlé là, il y a 6 monde qui ont suivi pour dans la salle classe, diverses écoles qui viennent sur l'ensemble du territoire national là. Télévision nationale d'Haïti, si vous faites brancher nous, pour suivre le lancement officiel année académique 2018-2019 là. Ici là, nous trouvons nous dans l'école nationale Célie Lillavois, qui en même temps loge l'école nationale République du Brésil. C'est la deuxième étape cérémonie ça, qui a déroulé. Deuxième étape là qui vient à la donne, visite salle de classe. Symboliquement, président de la République là, dans le moment ça, visite quelques salles de classe. Et en même temps, il y a une distribution qui a fait pour nous dans l'école ça, distribution de kits scolaires, des becs qui viennent dans les plumes, crayons, cahiers, gommes, instruments géométriques. Il y a un parent juste n'a parlé avec vous, je dis à qui peut être moyen. Surtout parents, élèves dans le quartier défavorisé, qui peuvent avoir des moyens pour bâtir mon matériel scolaire. Donc c'est un gros soulagement pour les parents qui peuvent préparer et qui ne peuvent pas connaître qui meurt au cas où ils sont à l'école par faute de bègue, cahier, crayon. Et bien, si mon yo. Depuis la semaine dernière, on a commencé à recevoir qui. Et pendant toute semaine, qui a continué à distribuer dans l'école nationale, l'école communale, l'école presbytérale, dans le lycée. Et en façon pour permettre tout le monde de joindre, pour permettre un maximum de monde de joindre, tout scolaire pour eux. Suivre pour même gens avec l'autre monde qui a moyen par un autre qui a acheté matériel scolaire pour eux, bien bonheur. Toujours dans le cadre de disposition qui prend pour accompagner par un avec un télécole là, eh bien, il y a tout ensemble de dispositions. La présidence prend pour accompagner les parents. Nous sommes capables de citer le support que l'État haïtien a employé l'État pour aider à faire face à entrer l'école. Là, il y a une aide que l'État a employé l'État. Que, alors, l'État bat tout fonctionnaire public. Tout employé l'État qui gagne un salaire par mois de 25 000 gourdes. Eh bien, il a recevoir une subvention de 100%. Si l'AIO qui gagne un salaire de 25 000 gourdes et plus, il a recevoir 50% dans le salaire
25 000 gouttes qui arrivent jusqu'à 46 000 gouttes et après recevoir 50% de salaire. Et si mon parent alors qui a touché 46 000 gouttes et plus, il a pour recevoir 25% de salaire de yon façon pour aider l'agent à toucher, à fin compléter tous les besoins parents qui ont gagné. Les plus l'école de temps plus, il y a un parent qui a 3, 4, 5 et il y a un parent qui a 8 personnes qui ont gagné l'école. Donc, disposition ça, l'État haïtien s'est pensé avec eux à travers disposition ça pour permettre que les parents aillent en soupe économiquement à rentrer l'école. Là. Couple présidentiel là toujours continuer visiter dans Textile Class côté nous trouver nous ici là dans l'école nationale c'est Lili Lavoie avec l'école nationale République du Brésil. Il y a une visite qu'a fait en même temps à distribution kit scolaire, manuel scolaire, uniforme, l'escape là. Anessa n'a pas rappelé qu'il y a plus passé 100 000 uniformes. L'État haïtien a distribué par Timounio 220 000 kits scolaires. Même gens qui ont distribué là-haut, il y a 220 000 kits comme ça qui ont distribué sur ensemble territoire. Et il y a 1 500 000 ouvrages qui ont distribué par Timounio dans le quartier défavorisé. Tout ça rentre dans le programme L'école, c'est la vie. Dans le programme administration de Jean-Jovenel Moïse là pour accompagner les parents à différents niveaux en état. Hâte de rentrer l'école là pour l'année académique 2018-2019. Télévision nationale d'Haïti, téléspectateurs, téléspectatrices, nous en direct, dans Port-au-Prince spécialement, depuis l'école nationale, c'est Lili Lavoie avec l'école nationale République du Brésil. Côté NAP suivre, lancement officiel, année académique 2018-2019 là. Première étape là qui te gagne la donne. Diverses interventions autorités, première étape là déjà finie, là nous avons deuxième étape activité qui vient là d'une visite de quelques salles de classe par le couple présidentiel. Deuxième étape là tout qui vient là d'une distribution de kits, de matériel scolaire, d'uniformes. Alors, Anessa, il y a un ensemble de dispositions autorité au plan pour réussir l'année académique en même temps pour soulager les parents économiquement et pour soulager les parents qui n'ont pas gagné moyen pour acheter matériel scolaire pour les petits monde qui est important, sans cahier, sans valise. Sans instrument géométrique, il est difficile de tenir et bien suivre pour le faire comme dans la salle classique. C'est des matériels
obligatoire pour que tout le monde a besoin pendant l'année pour l'utiliser. Il y a un ensemble de dispositions tout, nous sommes le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il prend bon côté parle dans le niveau ministère là. Par exemple, il y a environ 5000 lettres de nomination qui déjà baillent en faveur enseignants qui étaient en situation irrégulière. Yo. Il y a plusieurs qui recevoir comme normalement. Il y a un frais de contribution scolaire chaque année yo, qu'on baille dans l'école yo, qui n'est pas fixé parce que chaque école a un priorité qu'on baille si mon yo. Eh bien, décision ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dit ça, c'est que frais ça pas plus que 1000 gouttes pour tout élève qui est dans le troisième cycle fondamental avec l'élève lycée. Donc désormais, pas qu'à un lycée, il y a un petit monde qui a payé 1000 gouttes pour l'année, il y a un lycée, il y a un autre qui a payé 1500 gouttes jusqu'à 2000 gouttes. Il y a l'autre école qui compte recevoir frais annuels. Parents ont plein en pile parce que du frais ça va exagéré. Et bien, année ça, sous décision, l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, tout élève, troisième cycle fondamental avec l'élève du CEO, a payé uniquement 1000 gourdes et pas plus. Et notre décision qui prend encore, effectif dans salle classe, pas doué dépasser 60 élèves. De façon pour capable de faire un contrôle sur le plan pédagogique. Nous sommes des ministres à Génor qui t'a parlé tout. De gros dispositions qui considèrent des mesures qui ont envisagé pour éviter des désordres, j'en sais pas comme fait. Au niveau enseignant, des enseignants qui pas nommés, qui suivent pour nous, qui fait pour dans la classe, des enseignants qui ne pas reconnaître du tout, qui pas dans liste ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle qui a baïkou, et des enseignants qui nommés, qui payé et qui pas présents dans la classe. Donc, un ensemble de dispositions qui vous permettent bien plus l'ordre dans le système éducatif haïtien. Nous avons des ministres qui parlaient sur construction et réhabilitation de cellules d'école. Et nous avons des chiffres dans des pays de documents, nous avons des chiffres tout le temps que l'autorité de l'État au bail concernant la question de construction et réhabilitation de cellules d'école. Là, nous connaissons l'objectif du président de la République, là, c'est pour arriver à gagner entre 12 à 14 000 salles de classe en plus en Haïti avant le mandat. Là. Et bien, il y a une disposition qui prend. Parmi eux, nous avons parlé là, il y a un chantier 4 nouveaux lycées qui est déjà lancé. On a parlé de 150 teneurs, le chantier a lancé. Lycée Georges à 33 Nisméry. Lycée Daniel Pignolé, 4 lycées Sayo, chantier yo déjà lancé. Ce n'est pas seulement eux-mêmes. Ils ne font partie environ 61 chantiers qui ont cours dans tout le pays dans 4 programmes de scolarisation gratuite. Là. Il y a 15 nouvelles constructions qui sont lancées. Il y a 3 qui sont déjà prêts pour inaugurer. Il y a 12 000 bancs qui sont en fabrication. Mais l'école publique, yo, eh bien, il y a 12 000 bancs à distribuer pendant l'année ça là. Il y a 30 000 uniformes qui sont déjà disponibles. Mais l'objectif là, c'est d'arriver à distribuer 100 000 uniformes. Dans 100 000 uniformes déjà, il y a 30 000 uniformes qui sont déjà disponibles. Thank you.
y a un ensemble de dispositions prises en état pour permettre à l'école là bien dérouler à différents niveaux. Notamment, nous avons parlé de construction et réhabilitation quelques bâtiments scolaires. Nous parlons de chantiers qui sont en cours, nous parlons de lycées qui sont déjà en chantier, de uniformes qui sont déjà disponibles, 30 000 uniformes qui sont déjà disponibles, 12 000 banques qui sont distribuées dans l'école publique, parce que l'État a s'embêté en pile sur l'école communale, l'école nationale qui trouvait dans la zone. Côté moun yo pa gen moyen l'argent du tout. Des kits scolaires distribués dans le quartier sa yo, uniformes, de façon pour permettre tout petit moun gen même chance pour recevoir éducation en Haïti. Il y a l'autre disposition qui prend en tant qu'au niveau manuel scolaire, yo, côté gain plus passé un demi-million ouvrages qui déjà subventionné à 70%. Alors nous voulons dire un ouvrage qui coûtait 100 gourdes, jeudi il y a 20 à 30 gourdes. D'une façon, si par an, par 100 gourdes, par 70 gourdes, par 80 gourdes, au moins par an, capable bien 30 gourdes. Pour permettre que si mon nan joue un livre ça pour aller à l'école. Et il y a environ 1 800 000 l'autre ouvrage qui va jouer gratuitement si mon qui est dans l'école publique. Si il y a une partie subvention qui est jusqu'à 70%, il y a une partie tout à recevoir livre ça. Plus passé 1 800 000 timons à recevoir ouvrage 105 pobres dans l'école publique qui sont tout le pays. Ouvrage ça, c'est ouvrage qui concerne les timons sorti premier cycle pour y aller dans le troisième cycle. Toutes dispositions ça, c'est un ensemble de dispositions qui permettent année l'école là de rouler sans incident. Télévision nationale d'Haïti avec vous en direct depuis Port-au-Prince dans l'école nationale. C'est Lili Lavoie, l'école nationale République du Brésil. Côté n'a pas suivre, ensemble avec vous, n'a permettre de vivre lancement officiel l'année académique 2017-2018 là. Avec toute une série d'informations qui permettent de nous comprendre l'effort qui fait bon côté autorité pour rendre année l'école là, dérouler sans incident et pour accompagner les parents qui n'ont pas moyen. Surtout, il y a un gros accent qui mettait sous question subvention et écolage. Il y a un pile de monde qui est capable, qui va recevoir un support financier, en façon pour aider au pays l'école publique. L'État prend responsabilité pour payer 400 gourdes par enfant. Et donc pour chaque petit monde, l'État paye 400 gourdes pour aller à l'école là, dans le cadre du programme, l'école gratis là. Et dans le cadre du programme, ça n'a pas l'air là pour l'école gratis là. Il y a 2508 l'école nationale qui vivait là-dedans. Un chiffre qui augmentait par rapport à l'année dernière, côté qui était environ 1500 et l'année ça va passer à 2508. L'État va payer environ 400 gouttes pour chaque team. Déjà, il y a une avance de 50%, il y a un directeur de l'école ça pour permettre aux team et bien suivre pour la salle classe. Et pendant l'année, l'école ça qui rentre dans le programme. Scolarisation gratuite là,
il y a pour se voir l'autre 50%. Là, on a parlé de l'école nationale, il y a l'école presbytérale tout qui est dans une zone défavorisée. L'État ici a pensé avec eux parce qu'il y a un montant de 40 millions de gouttes. Il y a l'école presbytérale comme subvention pour capable prendre en charge. Il y a un petit monde par an, il n'y a pas de moyens du tout pour payer l'école là pour eux. L'école protestante autour, ils ont fait partie du plan de subvention. Côté eux-mêmes, ils ont recevoir environ 30 millions de gourdes. Pour les gens qui sont dans le milieu défavorisé, l'école communale a recevoir au moins 2 millions de gourdes comme subvention pour les gens qui ont fréquenté l'école. Les gens que vous connaissez qui identifié comme les parents n'ont pas de moyens du tout pour permettre de rentrer l'école. Nous avons fait des ministres qui félicitent de ce que Anessa, c'est seulement 320 000 personnes qui n'ont pas accès à rentrer l'école, à aller à l'école, alors qu'en 2008, le chiffre était nettement plus élevé. Donc, le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, j'ai fort, il va continuer à faire au fur et à mesure, chaque année qui vient pour permettre plus de monde d'avoir accès à l'éducation. Alors, il y a l'autre projet ambitieux, tout en cours, création de 50 centres préscolaires dans une zone défavorisée. Au projet, ça, l'a lancé à partir du mois de septembre 2018, côté nous, là. Il y a la question pour un encadrement à tout le monde qui trouvait dans 50 quartiers défavorisés dans 10 départements pays. Ça, tout, c'est un projet qui part là, qui a rentré à l'ESA. L'année académique 2018-2019, là, mise en place de 50 centres préscolaires. Parce que si nous avons fait des ministres de l'Éducation nationale, la première dame républicaine, Mme Martine Moïse, mettait accent sur Timoun, un petit classe qui dit ça, il y aurait les Timoun qui sont préscolaires. Parce que si Timoun, si vous avez des grands monde qui viennent éduquer, c'est là l'éducation, tout le monde commence. C'est un petit classe là. Donc, si mon Dieu t'a supposé qu'il y ait moyen, normalement, il y a des centres qui sont bien équipés. Pour si mon Dieu, 50 centres préscolaires qui sont dans une zone défavorisée, dans 50 quartiers défavorisés. Donc, c'est à raison de 1 centre par quartier. Programme ciblé, il y a une centaine de monde dans une zone défavorisée. Donc, il y a une centaine de monde par centre pour un début. Des petits qui ne sont pas habitués à aller à l'école préscolaire, du tout des petits et gens non habitués en Haïti qui allaient à l'école pendant le grand, pendant le très grand. Mais avec le programme, ça, les petits qui ont des chances de rentrer à l'école depuis les tout petits, depuis les ont l'âge pour commencer à apprendre à lire et à écrire. Nous presque arrivés dans la fin journée, ça une journée qui était vraiment chargée. D'abord, en premier temps, je me rappelle que j'ai gagné intervention directrice de l'école Philogène Espastal, l'école nationale Célie de la Voix avec l'école nationale République du Brésil. J'ai gagné intervention d'un jeune élève. Je t'ai remercié, Première Dame républicaine, pour toute initiative du plan et remercier l'État en général pour toute disposition du plan pour rendre année l'école la plus bon pour l'année 2018-2019. Là. Et finalement, nous t'étendons l'intervention du ministre de l'Éducation nationale là. Il est même parlé de l'ensemble des dispositions du ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle prend. Pour rendre l'année l'école là
vraiment déroulé de façon réussie. Président républicain qui, dans la deuxième étape, journée a visité deux salles de classe. Président républicain qui visitait deux salles de classe. Président républicain qui visitait espace côté, cantine scolaire. Alors, deuxième étape, journée en presque arrivé dans le bout de l'île, président République, qui a retourné dans le moment où parlé là. Président République, se visiter en premier temps deux salles de classe et profiter, faire distribution de kits scolaires. Président République, qui est derrière, bâtiment côté nous trouver nous là. Et bien, pour présidentiel, là, retourner sur l'espace, côté, il y aura quelqu'un pour faire photo officielle journée 1, qui c'est la dernière phase qui prévoit dans l'agenda journée 1. Le président de la République a passé vraiment un bon moment ici, là, l'école nationale, République du Brésil, l'école nationale, CELI. Lui la voix. Et ensemble, activité qui prévoit dans le cadre d'ouverture officielle année académique 2018-2019 là. Là, on a suivi photo souvenir. Pour le présidentiel là, avec l'élève pour immortaliser le moment ça. Le président qui est venu dans l'espace là pour souhaiter tout le monde dans le pays à une bonne année l'école 2018-2019. Et pour encourager les parents, mettre le monde à l'école. Parce que l'éducation, c'est la vie d'après ce slogan. Jounessa, thème principal là c'est une école inclusive pour une nation solidaire. Donc nous avons pratiquement arrivé dans la fin de journée avec plus de photos ça. Pendant que nous avons demandé aux téléspectateurs et téléspectatrices pour toujours suivre la télévision nationale d'Haïti dans l'édition Nouvelle New York, différentes éditions de Nouvelle New York. Nous avons bien chance, si là où il y a une retransmission en direct, nous avons bien chance pour suivre, pour le reportage qui est bien, pour diffuser. Sur l'ouverture officielle année académique 2018-2019. Là. Président républicain qui vient avec lui, première dame républicaine, madame Martine Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale là. Jean-Marie Renaldo Brunet, ministre environnement Pierre-Simon Georges, ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Josué Kader Agenor. Une journée qui était bien remplie et qui était bien là dans différentes étapes. Une journée côté président de la République, on a eu une chance de visiter les vieux, parler avec eux, poser aux questions, parler avec eux, l'école. On est dans l'école là, fonctionner. Le président de la République là, qui passait un bon moment dans l'espace côté
subventionné. Si nous avons côté à la cantine scolaire, côté si nous avons recevoir un plat chaud chaque jour dans l'école. Ça. Télévision nationale d'Haïti a souhaité tous parents, tous élèves, tous professeurs, directeurs à l'école une bonne année académique 2018-2019 et encourager parents en fait même si nous à l'école dès le premier jour, dès la première semaine. Yon façon pour ti moun yo capable bien chance pour suivre pour même genre l'autre ti moun qui était là dès le début. Gen parents qui peut-être pas paré mais quand même si c'est uniforme qui peut préparer, même si c'est bag ou soit l'autre matériel scolaire qui peut préparer, l'important pour parents yo n'importe quand ça y est même ti moun yo l'école. Président de la République là a paré pour quitter espace là pendant nous là. Président Jovenel Moïse, bonjour, bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti. Yon l'école inclusive pour une nation solidaire, mais qui font être ou placer rentrer l'école là, n'est-ce pas, excellence? Bon, premièrement, salut les téléspectateurs, aux auditeurs, toute chaîne télévision, radio, qui là, téléspectateurs, auditeurs, captant des moyens, captant des là. M'a dit que, année ça, dans notre communauté, c'est société qui est inclusive. C'est pays en général. Je ne dis là qui est solidaire, qui pour faire que nous mon pays que nous réveillons. C'est donc aujourd'hui, si nous entre l'école, mais entre l'école, ça a fait sous un fond de solidarité. Solidarité entre tout haïtien pour tout haïtien de tête ensemble. Parce que tête ensemble dans son lit, même nous ne pouvons rien que nous régler dans le pays. Avec du développement que nous rêvons, nous tout dans tout. Je suppose maintenant l'ordre de discipline. Si moun sa aujourd'hui, qui prend l'école là, c'est eux qui prennent le grand monde de nous. Si nous avons une meilleure société dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer à faire si moun yo encadrement qu'il fait. Mais ma dis tout, là nous prenons une décision pour moun entrer dans l'État sous concours. Si moun sa aujourd'hui, c'est pour ça qu'on prend l'école aujourd'hui, pour leur arriver dans l'âge, côté au fini l'école. Avec OMRH, je voulais parler Office Management des Ressources Humaines. C'est concours pour moun faire, c'est un concours pour passer pour un poste technique dans l'État. L'un des concours, c'est gens ça a commencé à faire dans le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale, en pile l'autre ministère dans le pays. Par exemple, pour nous mettre directeur départemental dans le ministère de l'Agriculture, pour nous mettre responsable bureau du corps communal, nous faisons concours pour 95 bureaux. Moun sa yo qui bon, qui pral pas, qui pral diriger bureau du corps communal sa yo, moun sa yo c'est l'école qui yo te passé. Ça veut dire bon, là yo t'entre l'école là, moun là yo te sorti. C'est ça n'a fait promotion de l'excellence, n'a fait promotion de la qualité, n'a fait promotion du mérite. Ça veut dire, on moun, sou besoin pour venir en bagaille demain dans la société sa, je dis à, c'est pour commencer qu'on est, c'est l'école là pour aller. Peut-être tout petit monde, bonne année scolaire, moi je dis tout que l'État est fort que ouais, l'État comment c'est fait pour professeurs, parents, les mêmes élèves, les mêmes, moi je dis compréhension. Compréhension professeur, compréhension parents, compréhension élèves. Et je dis tout le monde dans la société sans école, ou pas qu'à sous besoin nation meilleure. Dans 25 ans, besoin de société meilleure, c'est aujourd'hui pour nous commencer à préparer et pour ça l'école pour nous préparer. Merci beaucoup. Téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, nous en direct sur notre recevoir président de la République là, qui est sous point pour quitter l'espace là. Côté président de la République là, rappelez sur table nous impression de thème ANEA qui était l'école, qui était l'école inclusive pour une nation solidaire. Il y a un terme président de la République lundi qui marchait à l'idée, la prôner pour tout petit monde qui a une chance pour aller à l'école, pour tout le monde mettre tête ensemble pour permettre au pays à bien avancer. Président de la République qui connaît pas gagner et une jeunesse spontanée. Président de la République lundi bien encourager tout petit monde pour prendre votre éducation, surtout par rapport à toute disposition gouvernement prend pour un monde aujourd'hui.
rentrer dans la fonction publique là, pour passer l'examen. Et pour rentrer dans la fonction publique là, il faut avoir un papier valable dans mon papier l'école ou papier l'école classique, papier l'école professionnelle. Donc, il y a un ensemble de chances si vous avez gagné depuis tout petit jusqu'à ce que vous preniez. Alors, c'est le président de la République là, qui a quitté l'espace. L'école nationale, c'est Lili Lavoie, l'école nationale République du Brésil, qui trouvait dans Port-au-Prince, côté lancement officiel année académique 2018-2019, en se déroulé. Pour te présenter aux retransmissions, ça avec mon ami quoi, c'est Sabine Jean-Étienne, puis Technique Télévision Nationale d'Haïti, Unité Mobile, réalisateur, nous, Astré Luxembourg, nous remercions tout le monde, qui te mette main pour te rendre retransmission. Si vous-même qui t'es chargé, qui t'a suivi la transmission, ça nous dit tout le monde bye bye. Bonne suite de programmation sur Télévision Nationale d'Haïti.